Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière joueur sur FC24. On rappelle qu'on n'est plus titulaire hein, dans cette équipe du Havre, on l'a perdu notre place de titulaire, on est largement leader de Ligue 1. L'objectif là, on va jouer Reims, Lille, Paris en championnat et on terminera par Genk. Et à chaque fois pour l'instant on sera remplaçant, donc c'est assez compliqué cette saison. Qui autorise le changement. Allez, sortie de Steven Goua, entrée de Valéric, c'est habituel maintenant, depuis qu'on a perdu notre place de titulaire. À nous de nous battre pour la récupérer. On entre à chaque fois la 63e minute de Kadra Mounetzi. Et Reims qui a failli égaliser Dalier Kouzaïef. Lamis. Passe direct. Et Kala sur le côté gauche. Christophe Perry. Ouais, il nous a bien lancé là, Christophe Perry. La frappe. Parade du gardien. 66e. Et voilà, c'est un changement donc. Oliero. Ah, ça fait des semaines qu'on entend parler de lui au rayon des transferts. C'est maintenant fait. C'est récupéré. C'est la fin du feuilleton. C'est un renfort. Ça fait de la défense rémoise. Et ça fait 2-0. Et oui, le but. Le but du break. 2-0 pour le Havre. Ce but si important. On rentre et on marque. Généralement, quand on rentre, on marque un triplé. Est-ce que ça va être le cas encore? On revoit sur ces images comment il faut qu'on performe. Faut qu'on... Sur ce ballon enfin, chaque fois qu'on a une occasion, on la met au fond. Si on veut récupérer sa place de titulaire, on était indiscutable et cette suspension nous a enlevé notre place. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Il faut récupérer cette place de titulaire pour les gros matchs qui vont arriver en Ligue des Champions notamment. J'ai bien peur qu'en Ligue des Champions, on soit encore sur le banc. Ça passe. Ouais, ça renverse. Et c'est un ballon pour Reims. Ouais, avec Baturina. Bon, cette passe en profondeur. Pas parade de Mamokolé. Il y aurait du nouveau sur une autre pelouse. On va aller voir l'or là pour savoir ce qui se passe. Tout à fait, un nouveau but pour Quevilly-Rouen Métropole. On est donc à 4 buts à 1 et tout ça après 74 minutes. Allez, ça passe. Ça passe. Et dommage. Le ballon est dégagé. Et ça passe dans le dos de Reims. On ajuste. Parade. Le ballon est repoussé. Ah, le danger est écarté. Ouais, vas-y, récupère, récupère. Le centre est direct. Et en première attention, je marque. Le but pour le doublé. Ça fait 3-0 pour le match. Monetti. Ouais, on récupère encore avec cette progression à Reims qui se fait manger. Attention. Et la frappe à les croisés, à terre, le triplé, quadruplé, enfin 4-0 en tout cas pour l'équipe et puis triplé pour nous personnellement. Cette passe, ce jeu en remise, la passe pour Logbo. Il me l'armait dans le dos, c'est bien joué, cette frappe est quadruplé. Pas content. Quadruplé, 5-0 pour le hack. Allez, c'est bien. Je trouve qu'on est meilleur en fait quand on rentre que quand on est titulaire. Quand on est titulaire, on a tendance à jouer un petit peu dans un fauteuil. Là, on a la pression, on est obligé d'être performant. Allez, ça passe, ça passe. Ça passe, peut-être un 6ème but. Ah oui, le 6ème but dans ce match. 6ème but pour le Havre, 5ème but personnel. C'est juste énorme. Le Havre va s'imposer largement face à Reims. Et nous, on a fait vraiment le travail pour aller chercher cette victoire. On a mis 5 buts. Alors, on compte qu'on est le meilleur joueur du monde. On rappelle, on est le ballon d'or. Allez, nouvelle rentrée. Encore à la place de Steven Goua, qui est le titulaire indiscutable. Et on rentre, il y a 2-0 face à Lille. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Oh, attention, l'erreur lilloise. Et ce joueur lillois qui se fait crocheter. La frappe derrière, le but. Allez, notre premier but dans ce match. Ça 61e. On presse bien en fait pour récupérer le ballon parce que le défenseur lillois il sort dans un fauteuil.
Là, on projette parfaitement le deuxième défenseur. Frappe placée. Il y a de la neige. Donc le ballon rouge, rouge-orangé qui est sorti. C'est remarquable. Et en tout cas, ça nous permet de mettre notre Yuri dans ce match. Sornosa. Oh, attention l'erreur. L'erreur lilloise. Ça laisse de l'espace. Attention, ça n'est pas passé cette fois-ci. Lille qui s'en sort. Ouais, ça presse bien. Et attention, ils sont pas loin quand même du quatrième but, les Lillois. Récupération, ça relance. Et Bono. Bon geste défensif, le ballon change de camp. Ouais, Lisa Lugbo qui a récupéré avec son jeu de cœur. Et ça passe. Ça passe dans le dos de la défense lilloise. On va ajuster. Frapper, marquer. Notre doublé. Encore et toujours plus. 73e, 4-0 pour le Havre face au LOSC. Long ballon aérien. C'est pas un triplé ou un quintuplé comme d'habitude. Il fallait bien un moment que ça se calme. Déjà deux buts, c'est déjà très bien. Surtout en rentrant. Bon, attention, on se bat pour récupérer le ballon. On perd notre duel. Puisque c'est Lille qui a toujours le ballon. Le LOSC avec Miramon, le milieu de terrain qui tente de récupérer. C'est toujours Haraldsson pour Lille qui avait le ballon. Mais c'est une dernière contre-attaque avec Antoine Joujou. Antoine Joujou, dommage, je lui ai demandé le ballon en profondeur. Il a pas réussi à me la passer. Et ça va être terminé pour ce match. Allez, c'est en direction de Gournadouat. Allez, une dernière action pour Lille. Ivara, Miramon. Ivara, bien défendu par Dalek Kouzaïev et par notre milieu de terrain. C'est terminé, victoire. C'est fini, 4 à 0, on est rentré, on a mis un doublé. Donc l'équipe qui reçoit. Allez, on va faire notre entrée au Parc des Princes. On rentre à la place cette fois-ci d'Élisée Logbo à la pointe de l'attaque. Le Havre, normalement, mène 1-0. Voilà, 1-0 pour le Havre, il y a un coup franc à jouer. Cette passe. Attention. Il y a du monde en soutien. Petit décalage et ça va sortir. Est-ce qu'on est associé à Steven Gourin? Malo Gusto. Gavi. Le ballon transmis à Luis Alberto. Xavi Simons. Ah, le ballon change de propriétaire. Tout de suite, ça peut aller vers l'avant. Cette passe pour Dalia Kouzaïev. Cette passe dans la profondeur de Dalia Kouzaïev. Quelle vision du jeu du Russe. Pour nous avoir trouvé. On passe. 2-0 pour le Havre. Son numéro 7 rentre et il marque. On la revoit cette frappe. On avait pris dans le dos. Bonne passe de Kouzaïev. Ensuite, les petits passements de jambes pour tromper Donnarumma. Et la frappe derrière. Et ça fait 2-0 pour le Havre. Notre premier but dans ce match. N'Goura qui sera à son tour entré de Antoine Joujou. Xavi Simons. Le PSG là qui peut se projeter dans le camp adverse. Bon, attention, Mbappé. Oui, l'extérieur du pied de Kylian. Mbappé pour le Paris. 2-1 face au Paris Saint-Germain. Voilà, la réduction du score, on ne s'y attendait pas, hein. Ça casse la ligne cette passe. Et Mbappé qui se retourne et l'extérieur des pieds. Qui vient faire très mal à notre gardien, Momo Kone. On connaît le tarif avec lui, c'est au point. Ah là 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 là, la réduction du score qui va peut-être faire mal, la sortie de Dunga côté vrai. Marquinhos. Kylian Mbappé. Ah, ça joue en direction de Gabi. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Et oui, le coup de sifflet, là, c'est un coup franc pour Paris. Le PSG qui va faire un changement. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Ouais, superbe défense. En corner pour le PSG, c'est l'occasion peut-être d'égaliser. Bon, bah, pareil qui pousse, hein, 75e.
Allez, bien frappé ce corner. Ouais, la défense bien dégagé. S'en sort facilement, ballon bien dégagé. Il va y avoir une contre-attaque pour le Havre. Allez, avec notre joueur qui va. Et bien fait, attention, il repique plein axe face à Donnarumma. Ah, la parade de Donnarumma. Il n'y aura même rien du tout. Avec cette frappe. Quel dommage de s'enfermer comme ça et de ne pas jouer collectif. Son tir a beau être proche de la cage. Avec cet angle, c'est assez inoffensif. On récupère la passe. Il y a un but qui doit être marqué là. Et c'est dans la rencontre du stade Malherbe de Caen. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Caen. La passe pour Antoine Joujou. Antoine Joujou qui doit l'armée. Et on tente de passer dans le dos de la défense de Paris. C'est bien noté, merci Laure, tenez-nous au courant. Le dégagement de Marquinhos. Ah, ils arrivent à nous rattraper. Hein. C'est Paris. Tout est possible encore pour l'égalisation. C'est ce qui est la bonne passe pour Antoine Joujou. Quelle effervescence. Ouais, ça passe. Et Paris qui va sûrement perdre ce match. Ils étaient en train de revenir. Mais voilà, 3-1 face à Paris pour le Havre. C'est terminé. La victoire va être havraise. Et ils font des changements, les Parisiens. Il y a 3-1 pour l'instant. L'entrée de Luis de Miguel à la place de Luis Felipe. L'entrée de Marco Asensio à la place de Luis Alberto. Le Paris Saint-Germain qui va tenter de pousser dans les dernières minutes. Et nous on va tenter, pourquoi pas, d'en marquer un quatrième. Et ça passe. Il n'y a pas position de hors-jeu, attention. On va les provoquer un petit peu. Cette défense de Paris avec cet extérieur du pied. Superbe réflexe. Ça ne passe pas, mais Haraldsson aura un corner à tirer. Corner pour le Havre. La tête de Skriniar. Avec cette tentative de frappe pour Javarné, qui est Mbappé qui récupère. Et qui tiquait. C'est terminé. Et on s'impose. 3 buts à 1, doublé pour nous. Et un but de Gomis. 2 buts d'écart à la fin du jeu arrêté. Et donc l'arbitre va autoriser le changement. Allez, on remplace Steven Goura. Et le Havre mène 2-0 dans ce match. Allez, de 8e de finale de Ligue des Champions. Ouais, ah, ça c'est bien joué. La petite passe pour le coéquipier. Et, oui, et ça fait 3-0 pour le HAC. Première passe dans ce match pour nous. Surclassé l'adversaire. 3 buts d'avant. On vient de rentrer, on fait déjà une passe D. Ils sont à 10 contre 11 apparemment en face aussi. La passe pour Elise Logbo. Il était très bien placé. Hein. C'était vraiment une belle offrande. Une action dangereuse. C'est bien joué. 3-0 match aller de Ligue des Champions. Ça sent quand même bon, hein. Après une prestation, ça sent bon la qualif pour les quarts. Il y aura un match retour. El Khalouf. Ouais, facile, ça passe. Elle a frappé contrée. La passe pour Logbo. Dalair Kouzaïef. Ouais, il arrive à me la donner, Dalair. Le petit ballon piqué, ça fait bien. Ça fait bien 4-0 pour le HAC. Il a dit petit, va faire un bisou au filet. 4-0 et on marque notre but dans ce match de Ligue des Champions. On n'est plus titulaire, mais on profite du peu de temps de jeu qu'on a pour être efficace. Déclaration d'amour au football. Ce ballon piqué, j'espère que ça va compter pour nous. Parce qu'il y a Élisée Legbo qui se jette pour reprendre le ballon. Ça a bien l'air de franchir la ligne avant qu'il la touche. Le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe. C'est remarquable. Il est pour nous. Il aurait donc de 4 buts à 0. Allez, Kouzaïef. Avec Varela. Allez, cette frappe. Pour une frappe. Oh, ça se tentait. Bon, attention la frappe. Bon, allez, 4 et ça passe à 5. Ça fait bien 5-0. Le doublé de Puskás dans ce match. Il avait déjà marqué avant qu'on en rentre. Avec Varela. Ouais, la bonne passe. Pour Logbo. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Allez, le 33.
voilà une bonne récupération du ballon. Allez, ce serait bien de marquer un but. Un sixième but. Allez, Opéry. Fils Opéry derrière. Avec on ordonne le ballon. Et attention, le petit Exter, ça fait 6 à 0. Le doublé pour Valérie dans ce match. Ballon est perdu. Voilà, ça gagne pas, mais ça débarrasse. C'est un joueur de Wrexham. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Ouais, le bon décalage, le centre. Mais bon, dans la surface, bonne intervention défensive. Attention avec cette passe. Oh là là, le Havre qui déroule encore. Nabil Alioui qui vient inscrire un but. 7 à 0, 7 à 0 match aller. On rappelle qu'ils sont réduits à 10 en face. Ah, la brosse est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Nabil Alioui. Nabil Alioui Koutzaïev. Ouais, attention, oh là 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 là, le triplé. Ah, ils ont complètement lâché en face. Là, le on domine totalement. Il y a 8 à 0 et on met notre triplé. On appelle avec ce nouveau but. Allez. Récupération Havraz, Puchkas. Derrière Koutzaïev, la petite avec remise de notre joueur pour Nabil Alioui. Nabil Alioui qui a inscrit le 9ème but. C'est une humiliation là pour Genk. Ils n'étaient pas au niveau, ils ont pris un rouge. Et c'est la punition. Allez, ça passe. Allez, il y a encore de l'espace dans le dos de cette défense de Genk. Et ils vont peut-être en reprendre un autre. Ah oui, ils en reprennent un autre. Ouais, 10-0. 10-0 face à Genk. Allez, le match qui reprend, ils ont pris cher là. Quelle idée de prendre un rouge en match de Ligue des Champions. On rappelle qu'on est les tenants du titre. À 2 minutes de jeu en plus. On a fini pour les notre groupe. On a joué Genk qui avait fini deuxième. Ah, ils ont pas eu de chance. Hein. Tombé contre nous. Prendre un rouge assez rapidement dans le match. L'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ils sont tombés sur une équipe du Havre qui avait envie de gagner et de se qualifier Alioui assez facilement, ce qui est fait rien qu'au match aller, alors qu'il y a encore un match retour. Et voilà, ça passe 10 à 0 en match aller de Ligue des Champions, on ne rêve pas, c'est incroyable. Bon bah c'est ça là pour cet épisode, hein. On l'a vécu ensemble, hein. C'est le record historique en Ligue des Champions pour le Havre, hein. 10 à 0. Alors, on rappelle que l'adversaire était 7, certes réduit à 10, mais on a fait vraiment le boulot pour aller chercher le nombre de buts. Et on peut déjà dire qu'on est qualifié pour le prochain tour, à savoir les quarts de finale de Ligue des Champions. Et on est toujours leader de Ligue 1. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour voir la suite de cette carrière sur FC24, la carrière joueur au Havre. A plus.